J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, une journée avec moi en tant qu'étudiante, youtubeuse, enfin bref, une journée avec ma personne tout simplement. Et actuellement, midi, là j'ai un cours de maths. Je pense que vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram, vous reconnaissez sa voix. C'est... Je n'en peux plus, des maths, je peux plus. Donc là en fait nous sommes le 23 octobre, on est vendredi, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, notamment cette chose là. En fait il y a mon oncle qui a pété hier avec tout le vernis qui est parti, enfin voilà, c'était une catastrophe. Donc j'ai appelé Kim Manucure aujourd'hui, enfin ce matin, pour savoir s'il y avait un rendez-vous pour moi. Ils avaient que à 14h. 15, donc va falloir que je me mine le cucup. Ça c'est vraiment des problèmes de meufs, hein, c'est pas possible. Hein. D'habitude je m'en fous en mes ongles, hein. Franchement c'est pas mon problème. Mais comme je travaille demain, eh bien il faut que j'ai quand même un minimum de prestance au niveau de mes doigts, c'est pas possible. Sinon, enfin, je travaille en commerce et je peux pas travailler avec des ongles comme ça, c'est pas possible. Mais avant ça, je vais vous parler un peu d'une application. La partie de cette vidéo-là est en collaboration avec ShopTag. Elle est sponsorisée. Je vais vous en parler un petit peu plus. Je vous ai parlé énormément de fois de ShopTag, même dans mes vlogs, je vous montre, etc. ShopTag, en fait, c'est un site internet ou une application. Ça dépend. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone, l'application. Tu peux télécharger gratuitement. Tout est gratuit. Tu peux l'ajouter en extension sur ton ordinateur. Donc, je vais vous montrer dans une petite vidéo comment on fait. C'est hyper simple d'utilisation. Après t'as un petit S sur le côté droit de ton écran où en fait dès que tu vas sur un site, que ce soit Bershka, Ikea, Stradivarius, n'importe quel site que tu veux, en fait tu peux enregistrer un article sur ce site là. Donc tu peux catégoriser tes articles, maison, habits, loisirs, cadeaux de Noël, etc. Et tu peux mettre tes articles dedans. Si tu veux faire comme moi par exemple, moi personnellement là je vais utiliser ShopTag par exemple pour les cadeaux de Noël et surtout pour le Black Friday parce que ça arrive à grands pas. Personnellement j'aimerais bien acheter les cadeaux de Noël de mes proches à un prix réduit. Donc si par exemple il y a mon père par exemple qui veut une eau de parfum ou une eau de toilette, je sais plus trop quoi, Anteus, Chanel, je sais pas quoi, ça coûte une blinde, ça coûte dans les 80€ je crois. Moi ce que je fais c'est que je le mets sur le site de ShopTag et je coche la case 25% ou 50%. Donc en gros dès que tu vas avoir une remise sur ce produit là, bah ShopTag va t'envoyer un mail en disant hey Elisa, t'as 25% de remise sur ce produit là, est-ce que ça t'intéresse de l'acheter? C'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper facile. Là par exemple pour le Black Friday il y aura plein de remises et moi personnellement j'aimerais bien m'acheter un vidéoprojecteur. Ça fait longtemps que je vous en parle et je vous avais dit que ce serait autour de novembre décembre que j'aimerais l'acheter. Là il y a les Black Friday qui tombent, je me dis peut-être que le vidéoprojecteur que je veux sera en remise. Donc on va voir ça sur le site de la Fnac s'il y a des vidéoprojecteurs qui m'intéressent, etc. Je vais l'enregistrer sur le site de ShopTag et après bah s'il y a une remise bah je serai informée. Par exemple aussi quand il y a un article qui est plus en stock, là par exemple je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs qu'il y avait un article que j'aimais beaucoup, c'est le crop top de chez H&M qui était en rupture totale et en fait je l'avais mis sur le site de ShopTag pour être averti au cas où s'il est de nouveau disponible, et il était de nouveau disponible. Donc ShopTag m'a averti, je suis allée directement sur le site. Et vous avez aussi un système de code promo, donc dès qu'il y a un code promo qui est disponible il y a le petit S qui s'agite et vous dit que vous avez des codes promo disponibles, donc il suffit juste de les appliquer et de laisser défiler. ShopTag fait aussi un espèce de remboursement si vous passez par PayPal, si vous payez par PayPal avec des partenaires. Il y a aussi Ikea par exemple comme partenaire, donc si par exemple vous payez par PayPal sur le site de Ikea, vous avez un petit cashback, chose que les autres sites de cashback ne font pas, donc c'est vraiment pas mal. Dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon je pense que
je vais le laisser tout le temps en barre d'infos parce qu'à chaque fois vous me le demandez sur Instagram ou sur YouTube. Moi ça va vraiment être utile, surtout pour les cadeaux de Noël, pour tu vois, quand mes parents ils me disent ouais moi je veux ça, c'est un peu éparpillé, c'est un peu brouillon, au moins ça je le mets sur le site de ShopTag et j'ai les liens directement, j'ai tous les articles avec les images et tout, comme ça je vois un peu ce qu'ils veulent. Et dès que j'ai une remise, dès que j'ai un code promo, dès que j'ai ceci, dès que j'ai cela, bah ShopTag m'en avertit, c'est beaucoup plus simple. Pour les Black Friday, voilà, si vous êtes comme moi, vous voulez un objet qui coûte un peu cher, une télé, un canapé, un meuble, une PlayStation, un robot, une cafetière ou je ne sais quoi, que c'est un peu cher, etc., vous voulez savoir s'il y a une petite remise et tout pendant les Black Friday, et ben en fait tu vas l'enregistrer directement sur le site de ShopTag et après ShopTag va te dire que s'il y a une remise ou pas. Voilà, on va faire ça ensemble, c'est parti. On va se créer une petite liste spéciale, par exemple Black Friday, on va marquer. On peut même l'écrire genre au cadeau de Noël ou autre. Donc voilà, j'ai ma petite liste juste à gauche qui est juste là. C'est des articles que j'ai enregistrés, que j'aimais bien et tout. Genre par exemple, c'était le crop qui était back in stock. Vous pouvez le voir juste là. Les petits housses de coussin et tout que j'aimais bien. Donc par exemple, sur le site de Amazon, il y a le BenQ qui est temporairement en rupture de stock. Je sais pas si c'est celui qu'il me faut. Je sais plus. Je crois que oui. Mais en gros, voilà, elle est en rupture de stock. Donc on clique sur le petit bouton de ShopTag. On choisit donc la notification, quand le prix change ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre, par exemple, le prix ne change pas. Je vais marquer dans Black Friday parce que c'est un achat Black Friday que j'aimerais faire. Et ensuite, tu fais save. Et voilà, ton produit a été sauvegardé dans ta petite liste. Je crois que c'était celui-ci qu'il nous fallait. Ou, enfin, je sais plus, un des deux. Dans tous les cas... Je vais les mettre au cas où. Donc, on sauvegarde le produit. Je mets 25% off Black Friday. On fait save. Et voilà. Si vous avez des cadeaux de Noël à prévoir ou des petits Black Friday à prévoir, vous pouvez faire ça sur Amazon. Ça marche aussi, sachant qu'Amazon, ils font pas mal de remises pendant les Black Friday. Donc, vous pouvez retrouver tous les articles que vous avez enregistrés dans votre petite liste juste là. Donc, vous avez soit... la liste Black Friday, soit la liste maison, donc vous avez tout ça. La liste make-up, c'est un article que j'avais enregistré sur Beauty Bay, mais je crois qu'il est plus disponible du tout. Et la petite liste mode avec le crop, les autres habits, etc. Et si vous voulez les retrouver tous sur la même page, vous faites all et après hop, vous avez tout ça. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une très bonne application, gratuite, pas prise de tête, donc je vous la conseille vivement. Donc bah merci encore pour cette collaboration. Voilà, maintenant je vais avoir mon cours. Et j'espère que je vais comprendre quelque chose parce que ça me fatigue d'avance. De combinaisons linéaires de termes au carré, d'accord ? Donc soit qu'une forme quadratique représentée par A, alors Q de X égale TX à X, c'est la définition, hein, le lien entre Q et A. Je sais que vous aimez sa voix, hein, même sur Instagram, vous êtes en mode « Oh mon Dieu, je reconnais le prof, c'est le prof de maths ». N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, on partage beaucoup là-bas. Je suis pas le genre de meuf à comment dirais-je, bah vous motiver à faire des choses, c'est pas trop mon délire, c'est plutôt à rire de la situation. Pour moi c'est plus important de rire que d'essayer de se motiver à faire quelque chose. Vaut mieux rire de la situation, de mon désespoir, de tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Midi 45, j'ai suivi donc la moitié du cours et franchement j'ai compris, je suis hyper contente, j'ai compris ce qu'il racontait,
Bon, je sais, je vois pas pour l'utilité toujours, mais j'ai compris ce qu'il racontait, j'ai compris la méthode en gros. Qu'il a enfin utilisé des codes couleurs pour qu'on comprenne quelque chose, donc ça c'est pas mal. Je vais aller à la manucure, donc parce que là c'est plus possible. Je commence à me re-ronger les ongles et c'est pas possible, genre je trouverai jamais de méthode pour arrêter de me ronger les ongles, c'est fou. Y a vraiment que les faux ongles en fait où j'arrive à ne pas ronger. Mais dès que ça s'enlève, bah ça y est, je reprends tout. Dès que je suis stressée et tout, laisse tomber. Donc je vais me préparer, enfin je suis prête quasiment, mais je vais mettre mes chaussures, mon petit manteau, etc. Et je vais y aller. Si j'arrive en avance, je vais faire un petit tour à Ikea puisque j'ai un bon de 10€ à utiliser. J'ai envie de voir ce qu'ils ont et tout. Et j'ai jusqu'au 1er novembre, donc c'est jusqu'à la semaine prochaine. Donc je vais faire un petit tour parce qu'en fait à Madeleine, en fait ça se situe à Madeleine la manucure. À Madeleine il y a un Ikea, il est petit, enfin c'est un Ikea parisien, tu vois. Enfin il est quand même assez grand, mais c'est un Ikea parisien, rien de bien ouf quoi. Il y a souvent beaucoup de monde en plus. Donc je vais aller là-bas et c'est juste en face. Avant j'allais faire ma manucure à Belle Épine dans un salon. Et en fait c'est le même prix que chez Kim. Et chez Kim il y a beaucoup plus de choix de couleurs. Au niveau des vernis, il y a, sans vous mentir, au moins 2 à 300 couleurs, de choix de couleurs en fait. Ils peuvent faire des motifs, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Alors que là où j'allais, c'était le même prix et ils avaient que une petite palette d'ongles de couleurs. Donc c'est vraiment pas terrible. Et vous m'avez tous dit que la forme était beaucoup mieux, qu'ils avaient fait beaucoup mieux le travail de ça que à Belle Épine. Donc c'est pour ça que je vais là-bas, c'est le même prix. Voilà, ça me fait un peu de trajet, une heure et quart. Mais bon, vas-y, c'est cool quoi. Donc je vais à Opéra après, quand je reviens, bah, je vais re-suivre mon petit cours. Il faut aussi que je trouve, ça c'est hyper important, je sais pas où trouver ça, peut-être à Belle Épine. En gros j'aimerais bien trouver un notebook à spirale. En fait je l'ai vu sur Amazon, il coûtait 25€. Je me suis dit vas-y, 25€ pour un notebook comme ça, faut arrêter les conneries. Donc je me suis dit peut-être à Cultura, à la Fnac, dans une petite librairie indépendante ou autre, j'ai peut-être trouvé ça. Donc je sais pas si à Opéra il y a ce genre de choses. Donc je vais voir, je vais faire un petit tour pour regarder. Sinon j'irai à Belle Épine. En tout cas je dois aller à Belle Épine pour faire rembourser un truc à Primark. Mais peut-être que j'irai à Cultura pour regarder ce qu'ils ont ou à la Fnac. La semaine prochaine je suis en vacances et c'est ma semaine de révision. J'ai pas mal de choses à faire au niveau des révisions parce que tout le mois de novembre c'est des contrôles. Donc faut que je me donne à fond. Donc si vous me voyez un peu moins sur YouTube, c'est normal, c'est juste que j'ai mes contrôles et que j'ai pas envie de louper mon année pour YouTube. Donc, bref, j'arrête de parler. Et je vais aller me faire la petite manucure. Par contre, je sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Je vais me faire un truc un peu bordeaux mat. Mais en fait, ils ont tellement de choix de couleurs que je regarderai au moment venu. Donc là, je suis à Madeleine. Ça, c'est la place de la Madeleine. T'as un petit fleuriste en bas, très sympathique. Donc tout ça, c'est le boulevard. Là, il y a le Ikea. Et juste derrière cette petite rue là-bas, bah, il y a le Kim. Et donc, c'est là où je vais. Donc là, il suffit juste de tourner à droite. Et c'est dans une petite cour, en fait. Toute petite cour, et c'est juste là. Là. Parce que là, c'est plus possible. On est d'accord. Ça y est, j'ai enfin fini. Après une heure, j'ai choisi ce petit petit vernis là. Donc là, direction Ikea pour regarder un petit peu. J'avais vu un plat que j'aimais beaucoup. Elle me croit pas quand je la sors, du coup je la prends en photo en train de faire caca maintenant. Bon, je viens de rentrer à la maison, j'ai rien trouvé à Ikea, j'ai pas trouvé mon plaid. En même temps, j'ai vu le plaid dans une vidéo américaine, donc peut-être c'est pas encore arrivé. Regarde-toi ça. Ah, moi ça. Ça hier. Là, j'ai vu des cintres que porte-porte. Bada. Des cintres porte-pantalon. Je trouvais ça pas mal. Sauf que j'ai pas cette tringle. Donc voilà, je vais aller à Belle Épine. J'espère que je vais trouver mon notebook hein, parce que c'est hyper important. Donc bref, je finis ma petite pastèque là. En fait, je coupe la pastèque et je la mets dans un petit bocal comme ça. Ah bah il m'en fallait des trucs comme ça. Ikea, pour nos gamelles le midi. Je prends pas de gamelles le midi. Bah il serait temps d'en prendre des gamelles J'aime le midi. J'aime pas prendre de la bouffe le midi. Lui c'est vraiment un prince hein. Lui il aime trop aller manger au restaurant le midi. Mais c'est pas ça, c'est que j'aime pas. Son boulot, moi je me fais une gamelle pour pas payer hein. Bah lui il s'en bat les couilles genre allez je rague de l'argent pour rien alors qu'il y a des restes à la maison.
Mais je m'en bats les couilles, les tickets resto, tu peux les payer pour faire les courses. Mais les tickets resto, ils sont donnés pour quoi? Pour que tu manges là-bas? Oui, mais pour que tu puisses payer les courses et te faire plus de repas avec ces 8,50€ au lieu de payer 8,50€ pour un chirachi. Et bah... Oh, soutenez-moi un petit peu là. Je les engueule maintenant. On est d'accord que payer un ticket resto à 8,50€ au lieu de payer ça pour juste un petit chirachi, vaut mieux faire les courses avec 8,50€ et se payer un gros poulet fermier avec des petits pois et ça te fait 3 repas. Si, bref, j'ai raison, je sais que j'ai raison. T'as tort. Voilà, en plus c'est Hiro aussi, il a pris 10 kilos, voilà. Parce que bouffer de la merde à côté, bah c'est pas bien. Ouais, mais j'aime bien. C'est mieux du fait maison. Non. Tu vois, moi je mange une pastèque, c'est fait maison. Je vais aller à Cultura en espérant qu'il y ait des trucs. Je vais aller me faire rembourser des trucs à Primark. Si je vois des trucs, je vous les montrerai. J'espère qu'il y aura pas trop de gens. Allez, let's go. Ah, et pour les tests Covid, c'est dans ce laboratoire-là que je vais faire mes analyses. L'entrée, elle est juste à droite. Y'a plus rien. Oh là là. Bon, je viens de rentrer toujours dans le même cadre, hein, désolé, hein, mais ça doit y avoir plus de lumière. Ouais. Il est actuellement 18h16. Donc je suis allée à Primark, il n'y avait rien du tout. C'était fou, mais rien. J'ai jamais vu autant de rien dans une pièce, tu vois. Donc j'ai remboursé en fait le petit pull de mon copain. Et en fait, à la place, je vous ai montré les quelques petites décos de Noël. Enfin, c'était mignon, tu vois, mais c'était pas foufou. Je me suis pris Santa. Oh putain. Oh putain, c'est moche. J'adore. C'est immonde. J'adore, c'est archi c'est mignon. C'est archi dégueulasse. Encore des trucs de Noël qui vont finir sous le lit. Putain, tu mais non, chier. Ils finissent dans le truc là-haut. Là ? Bah, il y en a là-haut. Hein. Oh, c'est immonde. J'ai flashé dessus sur leur Instagram. C'est vrai. Et encore, j'ai pas pris le porte-manteau mini Noël. Hein. C'est archi moche. Donc, ça coûtait 6 euros. Et en fait. Quoi ça coûte 6. Quoi ? Et en fait, à la sortie, il y avait une dame qui me disait ouais, ça vous dit de remporter un tote bag et un bon d'achat de 250€ j'ai pas mal. Je dis bah bien sûr. Donc, fallait juste remplir un petit formulaire sur ce qu'on en pensait du magasin et tout. Donc, elle m'a donné un petit tote bag. Et les 250€ bah, c'est au tirage au sort. Ouais, bien sûr. Donc, au moins, j'ai eu un tote bag gratuit en répondant à 3 questions. J'étais ravie. Ensuite, à Maison du Monde. C'est immonde. Oh, ça attends, t'es pas prêt là hein. T'es pas prêt. Ah, parce que c'est un truc dans le style. À Maison du Monde, je voyais une belle tasse et tout, je vous l'ai montré. Et je dis, bon, je vais pas la prendre et tout. Et là, au moment où je la repose, j'entends un appel micro en disant oui, pour tout achat dans le magasin, vous avez un bon de 10€ valable en caisse après. Donc en gros, si on achetait quelque chose, on avait un bon de 10€. Je dis, bah vas-y, c'est parti, je la prends la tasse. Oh putain, elle est immense. Elle est immense. Elle est horrible. J'adore. Mais elle est trop moche. Elle est archi belle avec un petit
mais à casse-noisette. Ça casse-noisette. Oh, il est beau. Avoue, elle est trop belle. Ah, elle est hyper grande, elle fait la taille de ma main. Hein. Celle-là, elle est immonde. Ah oui, et derrière, il y a marqué Santa. Je sais pas si je voulais montrer. Santa's la Little Helper. C'est trop drôle. Avec des petits, avec les petits chaussons, là, les petits pieds. Franchement, j'aime trop. C'est les deux seules tasses que je vais prendre. Donc ça, c'était 6 euros. Ça, c'était 7 euros. Que ce soit les deux seules que tu prennes. Et donc, en gros, on avait un bon qui va là pendant un mois, je crois. C'est okay. Moins 10 euros des 40 euros d'achat. Donc, c'est vachement bien. Parce qu'au moins... Ah oui, je vous ai montré. Il y a une petite cloche avec le Père Noël, avec une petite guirlande lumineuse. Vous savez, la petite cloche. J'espère que vous avez vu quelque chose parce que oh, elle était vraiment belle. Elle coûtait 40 euros. Quoi? Le petit bon, il va passer. Non. Ouais, tu dis ça, mais tu vas l'acheter quand même. Donc, elle non. Était belle. Hein. J'en ai rien à foutre. Non, vraiment c'est mort. Belle. Je vais pas te dire non. Ouais. T'as vu tout ce que t'as déjà en Noël? Non. Je vais le récupérer, je vais le déchirer. Il va finir à la poubelle. Donc voilà, mes petits amours. C'est pas fini. Donc je suis allée à Cultura. J'ai envoyé une photo à mon copain avec tous les jeux de société qui étaient en promotion. Il m'a dit que j'arrive. Il est même pas venu. Donc j'ai fait un petit tour et tout. Donc j'ai galéré à trouver ça parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Donc c'est ça, je vais vous montrer. Mais j'ai pas la perforeuse. Perforatrice. Perfo quelque chose. Là sur Cultura c'était 10 euros. Donc c'est quand même cher, mais bon, c'est beaucoup mieux que 25 balles. Donc ça se présente comme ça. En fait, c'est des anneaux comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Des anneaux comme ça. Et en gros, tu peux enlever ou mettre des pages comme tu veux. Et en fait, il me faudrait un truc pour perforer comme ça. Je sais pas si vous voyez les trous là. Avec... je sais pas si vous voyez quelque chose. Comme ça, on peut mettre ses cours facilement dedans. Et aussi, mon petit Picsou. Donc, c'est les voyages fantastiques. C'est le collecteur numéro 15. J'ai pas le numéro 14. Si vous avez le numéro 14 dans cette édition-là, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais bien vous l'acheter. Parce que je ne l'ai pas. Et il est trop beau. Et je pense qu'on en a fini. Puis voilà. En fait, j'ai vraiment fait une petite journée un peu chill, repos et tout. Parce que là, ces derniers jours, même ces dernières semaines... C'était une catastrophe, j'ai beaucoup trop travaillé et j'étais vraiment fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je tombe malade et j'étais malade trop souvent. Et ça m'a gonflée et ça m'a fait du bien de faire autre chose, de me balader un petit peu, de faire mes ongles. Ah oui, je vous ai pas montré encore, oh là là, je vous ai pas montré mes ongles et tout. Enfin bref, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Il est trop beau, vraiment j'ai trop bien choisi, ça fait super automnal et tout, ça fait super joli. Et c'est pas trop dark. Moi j'aime pas trop les trucs trop noirs, trop foncés et tout. Et vraiment trop joli. J'ai beaucoup raccourci les ongles comme vous pouvez voir. Parce qu'en fait quand je vais avoir des contrôles, je vais devoir écrire etc. Et avec des ongles longs c'est un peu galère. Et puis bah, je préfère cette longueur là, elle est plus naturelle que les longs ongles. Ça fait... Donc ils ont commencé à mettre toutes les décorations de Noël, même à Truffaut d'ailleurs. Ça fait depuis longtemps parce qu'ils sont à Truffaut. Enfin, peut-être que je fasse la vidéo décoration de Noël à Truffaut si ça vous intéresse. Je suis pas encore dans un mood Noël, même si j'ai acheté des tasses extrêmement kitsch. Mais je suis pas trop dans un mood Noël en ce moment. Genre, je sais que Noël ça va être de la merde cette année vu qu'on va pas pouvoir voir nos familles ou je sais quoi. Enfin bref, ça va vite me gonfler. J'ai même pas envie de décorer là pour l'instant. Je suis en mode ça fait chier. Donc bon, on espère qu'on va pouvoir voir nos familles pour Noël. Ce serait cool. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.